Tout le monde est venu en essayant de Naruto Shippuden Ultimate Ninja Impact. Voilà la licence Naruto. Qui n'aimerait pas Naruto? Voir le team, je sais que j'ai. En fait, j'ai déjà terminé tout le mode histoire, mais il manque les quêtes annexes. Et c'est quelques années que je veux partager avec vous. Mais il y a aussi d'autres parties de l'histoire que j'ai pas achevé, comme par exemple des cinématiques avec étoiles, des combats avec cinématiques et avec étoiles. Par exemple, nous avons d'abord fait le combat de Sasuke et Itachi, je crois. Et Neuchi, voilà. Voilà. Les frères. Parce que le dialogue, on commence. On est obligé de prendre Sasuke et Abinwam pour avoir la cinématique. Donc, celui-ci. On verrouillage. Ok. C'est un peu balèze au jeu. Pas besoin de trop perdre autant. Un seul enchaînement et c'est bon. Hein. Maintenant, la prochaine étape, c'est trouver et battre Itachi. Ah, je vous dis, j'ai pas vraiment vu tout l'anime de ce que je suis en train de jouer. J'ai pas vu l'anime. J'ai pas vu leur combat en anime. Non, pas du tout. Là, j'apprends plus sur les animes en jouant à leurs jeux vidéo. Ouais. Comme ça, j'apprends plus sur l'histoire des personnages. C'est en jouant à leurs jeux vidéo que j'apprends. Dans CSGO 2, il y a tout. Parce qu'ils peuvent les jouer à auto, il y a l'histoire, il y a le mode combat, il y a beaucoup de choses quoi. Et moi ça me perd vraiment. Bon, je sais pas, c'est à mon premier Naruto que je touche quand même. Hein. Parce que je me rappelle à l'époque, quand j'avais encore, parce que là, j'avais 14 ans, à l'époque j'avais encore 12 ans, je jouais à Naruto, il vous pas. Bon, c'est moi aussi une. Ce qui vient, c'est que ça ne racontait pas. Intégralement l'histoire de Naruto après son retour de l'entraînement de Jiraiya, donc pour laquelle je suis allé chercher Impact 2 ans après. En fait, c'est un jeu qu'on peut avoir simplement. Hein. Moi, j'ai téléchargé, je n'ai pas payé parce qu'en fait, je joue en fait ce jeu sur mobile, pas en fait sur PSP, je joue sur ma tablette. Galaxy, Samsung, c'est donc le jeu n'est pas payant, il est gratuit, vous pouvez le télécharger sur le site. Il y a beaucoup de sites en fait, il y a Cool Room, il y a Rose Mania, il y en a beaucoup de sites. J'ai presque PlayStation Portable, exactement. Bon, il y a plusieurs jeux Naruto ouais, sur PSP. Il y a Naruto Heroes 1, qui était le basique. Naruto Heroes 2, Naruto Heroes 3, oh, Naruto Heroes 2, Naruto est un peu plus fort parce que normalement, au fur et à mesure que le temps passe, il devient plus fort. Bon, Naruto Heroes 3, là, c'est après son retour, mais sauf que ça ne raconte pas exactement l'histoire qu'on est en train de faire le combat Itachi Sasuke. On s'arrête net à l'endroit où Sasuke veut battre Itachi et l'histoire est terminée. Sauf que dans le Heroes 3, on introduit aussi une partie de l'embout de Konoha qui est, ma foi, géniale. Donc moi je vous conseille ce jeu. Il y a plein de personnages, Shigetsu, beaucoup de personnages. Il y a beaucoup de personnages par rapport à ce jeu. Ce jeu n'a pas beaucoup de personnages, c'est l'inconvénient. Mais les cinématiques ne sont pas là quoi. Les cinématiques ne sont pas nombreuses. C'est un peu ça le problème. Bon, je vais faire mon jeu au Naruto depuis que je connais PSP. J'avais aussi joué à God of War.
Peut-être je vais lui remontrer un jeu God of War, Shadow of Olympus pour ce God of War. Que ça se fasse là. Ouais. Enfin, c'était quand même bien. Hein. Le son était bien, sauf que c'est pas trop long. Ouais, c'est pas trop long, mais c'est quand même bien, c'est bien, c'est bien. Surtout qu'il y a des fois où tu ne connais pas où tu dois aller, tout ça, on sait bien. C'est dommage, j'ai un ami qui a une envie pressante de ne vous faire pas de mon aventure sur ce jeu. Je le ferai. Dans les 16 jours. J'espère qu'on va faire au moins ce mois plus de bon, 25 minutes maximum sur la 50e minute. 5 minutes, ça va. On peut faire ça en 15 minutes, 16 minutes. Prenant compte de la force de Itachi, bon, c'est aussi te faisable. Comme je disais, c'est pas seulement le seul jeu que j'ai joué qui était. Le seul jeu que j'ai joué, c'est pas seulement le jeu de Naruto, il y avait God of War. Je crois que j'ai aussi joué un Wind of Speed, Moss of Wanted, mais c'était pas aussi intéressant parce que c'était en fait PC quoi, c'était pas un graphisme élevé. Ah, parce que j'avais aussi joué un jour au jeu console. Hein. Le seul problème avec moi c'est que en fait j'ai pas payé une console. Je compte le faire plus tard, mais pour l'instant je fais avec ce que j'ai quoi. Je fais avec ce que j'ai. J'avais mon coach à quel jeu? Sur PSP. Voilà, ouais, exactement. J'avais joué à la licence Dragon Ball, justement, sur PSP. Donc, le meilleur Dragon Ball qui m'a le plus aimé sur PSP, Dragon Ball qui m'a beaucoup plus aimé, c'était Dragon Ball Tag Team, Gashi Tag Team. En fait, c'est un jeu simple. Le graphisme est quand même élevé par rapport au jeu Budokai. C'est quand même un graphisme très élevé. Hein. Ma foi, très, très, très élevé. Moi je vous le conseille fortement. Le graphisme de ce jeu est élevé. Il y a la fusion, il y a la technicité, les personnages, ça va voir l'histoire au moins jusqu'à la saga de Boudon. C'est quand même plein de ressources. Jusqu'à la saga de Boudon, c'est quand même quelque chose. Alors, ça commence la saga arrivée des Saiyans, continue jusqu'à Boudon. C'est cool. Exactement bien. Déjà si je à Dragon Ball Z Budokai, Budokai 1 et 2, c'était bien bien classique, sauf que je me suis un peu embrouillé au point où ça m'avait énervé. Voilà, c'est un peu la liste de mes jeux que j'avais déjà joué sur PSP. Et parmi ceux-là, plus que ça, je mettrais d'abord Naruto Impact en premier. Le deuxième, je mettrais Tag Team, évidemment. Que la saga Heroes de Naruto, en fait, il y a une chose qui m'a plu dedans, c'est que le combat était. C'était pas en fait. C'était pas bien expliqué. Tu vois Naruto directement après son entraînement, il a directement le Futon revenu sur lui. Hein. Pourtant, il l'apprend après le combat de Kakuzu. Dans Heroes 1. Mais ici, quand tu vois Naruto, tu mets Impact, tout est détaillé. C'est-à-dire, on te dit que tu as acquis une nouvelle technique après le combat de Kakuzu. Tu as acquis une nouvelle technique après le combat de Pain. Tu as débloqué un nouveau personnage. Nouveau personnage utilisable. Voilà, donc tu vois, en fait c'est simple, c'est ça. Et effectivement, que je n'aurais fait déjà qu'elle n'aura su qu'elle est déjà en bas parce que elle peut ne pas vous embrouiller avec la webcam. Donc on se dit que le L c'est le bas. On verrouille, c'est en bas. Il faut que j'appuie là, il faut que je passe comme ça. Mon frère, mais tu vas encaisser les frérots. Bon, si vous voulez voir mon personnage, ça se qu'il est nouveau venu, hein. Je crois. Allez, il faut anéantir, t'as tant qu'il est encore temps. Et je vais essayer de faire mon attaque une bonne fois pour toutes. Le mec, c'est là que j'allais avoir la première fois. Non. Parfait. Ok. Le mec, c'est là.
There's nowhere to run, Sasuke. This will probably be my last jutsu. Kiri? Be gone with the thunderclap. Et enfin, on a cette cinématique, on a fait les 3 étoiles qu'on n'a pas eu depuis longtemps. Youhou, enfin, on est victorieux, on est victorieux, on est victorieux, on est victorieux. Avec rang final S, bonus de commande. Et les frères, vous pouvez maintenant le voir dans le menu gagné. Exactement le coup de grâce déverrouillé, les frères, on a eu. Waouh. Allez, faut prendre des cartes. Je ne vais pas vous dire certainement. C'est ça que vous avez pris les cartes pour masser vos personnages, vos chakras, vitesse, santé. On va faire le double. On l'a eu. On l'a eu. On l'a eu. Je crois que ça va, ce que je voulais avoir. C'est un fait de sang. Bon. À bientôt pour la prochaine vidéo, les mecs. Je crois que. La prochaine vidéo, on se fera. Parce qu'on n'a pas, tout réussi. On peut faire la cinématique la plus difficile, les mecs. Au conseil des Kage. C'est qu'on va se faire la prochaine vidéo. Portera en fait sur. Ça, en fait. Dernier chapitre. Un combat œil pour œil. Danzo a fui jusqu'à la frontière du pays de fer. Où Madara surgit devant lui. Le combat pour le pouvoir des Uchiha commence. Exactement. C'est ça qu'on s'est fait plus tard parce qu'en fait un combat terriblement difficile. Malgré qu'il est normal, c'est terriblement difficile dû au fait que dans le c'est pas normal, c'est facile à voir. Le reste des quêtes annexes, on fera ça plus tard. Ça viendra après avoir fini tous les coups de grâce. Donc sur ce, les mecs. On se dit. Les mecs, on se dit à plus, hein. Un peu la vidéo. Donc à la prochaine.